Maman révérende, vous êtes l'hôte de cette conférence des femmes dynamiques. L'année passée, ça s'est passé au bâtiment du 30 juin. Cette année aussi, elle s'est passée. D'abord, au début, comment étaient les préparatifs? Apparemment, vous avez dit du haut de la chair que vous étiez un peu découragé. Vous n'avez pas vraiment la tête à ça. Et par rapport à ce qui s'est produit, est-ce qu'on peut quand même avoir vos impressions au moins dans une minute? En tout cas, Dieu, je peux lui dire seulement merci. Il m'a étonné. C'est vrai, les préparatifs n'ont pas été à la hauteur comme toutes les autres années. Mais la puissance était à la hauteur. Dieu nous a seulement confondus. Il y a une telle puissance qui s'est manifestée au travers de toutes les oratrices qui ont révélé les choses puissamment. Il y a eu les témoignages. Il y a la présence de Dieu qui était chaque jour, les cinq jours. Durant tous les cinq jours, on a vécu la main et la puissance de Dieu. Chaque oratrice avec sa particularité. Et cette complémentarité entre les oratrices m'a vraiment plu. Et aussi des messages prophétiques. J'ai vu des femmes prophétiser. Il y a des femmes, pour la première fois, je les vois prophétiser ainsi. Et j'ai dit seulement, waouh, Dieu est seulement fidèle, il a été fidèle. Les préparatifs étaient un peu, pas à la hauteur comme je le voulais. Mais Dieu m'a réellement étonné par sa grâce. Nous avons vécu réellement sa main. Et je crois même, je peux même dire que cette année, il y a eu la puissance même plus que l'année passée. Cette année, Dieu était quand même à l'œuvre et nous avons vu sa main. Je le bénis de tout mon cœur. La convention avait commencé timidement, mais terminée très puissant. Timidement, c'est-à-dire par rapport à la participation. Mais juste après, je crois que les gens sont allés dire aux autres. Et les gens venaient se remplir dans la salle. Je bénis le Seigneur pour ça et que la gloire lui revienne à lui et à lui seul, d'éternité en éternité. Amen. Maman, l'année prochaine, vous parlez du stade. Oui, je parle du stade. Nous serons vraiment dans un stade. Nous commençons déjà nos préparatifs maintenant. Je crois au Dieu qui m'a appelé. Je crois au Dieu de ma jeunesse. Je crois au Dieu de ma délivrance. Moi, je dis toujours, Dieu, c'est un océan. Chacun de nous s'approche de lui comme il veut. Si tu viens avec une bouteille, il la remplira. Tu viens avec une citerne, il la remplira. Tu viens avec plusieurs citernes, il la remplira. Moi, je crois que si je parle du stade, je connais le Dieu qui est puissant et grand, illimité. Il est capable de nous aider, même si c'est dans un stade. Il n'est pas illimité, il sera là. Nous allons montrer au monde que les femmes sont capables. Les femmes sont capables. Et c'est comme ça que je dis toujours, les résultats font taire les contestations. Nous devons montrer aux hommes, ou peut-être au monde, qu'ils ont eu raison de lâcher les femmes et de les laisser servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.